au Lido qui accueille gentiment la première collection d'un jeune créateur de 34 ans, Éric Thibouche, né en Corse à Bonifacio, et qui fut 8 ans le collaborateur de Jean-Paul Gaultier. Quelle est l'histoire ? On va dire que c'est une cliente couture, une Française des années 30-40, qui décide de partir en voyage. Elle part de Tokyo. De Tokyo, elle décide donc de partir en Polynésie. Et elle découvre une culture qu'elle ne connaissait pas, un nouveau monde. Et elle décide de transformer toute sa garde-robe. Coupe parfaite, réalisation sans faute, fourrure, bijoux de nacre, perles de Tahiti et souliers signés Jourdan par Josephus Timister, la dame qu'habille Éric Thibouche a de l'allure. On a réalisé des nouveaux chapeaux avec Borsalino. Ce sont des chapeaux, on va dire, ce sont des doubles Borsalino. Avec un petit truc des années 30. Du chic et encore du chic avec des idées fraîches sur la Parisienne qui défile ici sur de vraies femmes. Des vraies femmes qui ont des formes et qui sourient, enfin. Collection bonne du premier coup, même si l'on retrouve souvent l'esprit de Gaultier. Qu'est-ce que Thibouche a appris de lui ? Beaucoup, semble-t-il. Jean-Paul Gaultier a quelque chose de très français. Donc j'ai eu, oui, ça m'a appris beaucoup de choses. Puis bon, c'est aussi peut-être un hommage à ces années passées avec lui. Délicate attention et très jolie collection, bien coupée, amusante, séduisante, élégante. Oui, c'est très élégant, c'est très... C'est les femmes que j'aime. C'est les Françaises que j'aime, que j'ai envie de retrouver. Et j'ai eu envie de les retrouver à travers cette collection où j'ai toute ma passion, tout mon cœur. Croco sur jersey de soie kaki, silhouette de rêve, une vraie couture encore abordable. Le bémol des mannequins qui parfois marchent comme des cow-boys, mais les robes sont belles, c'est le principal. Voici la mariée, Borsalino blanc, dentelle et attache de nacre. Thibouche a fait un essai réussi. Daniel Tchéki, le patron de Jacques Fac, l'a engagé pour relancer ce beau nom de la mode française. Je ne vous avais pas menti à propos d'Éric Thibouche, n'est-ce pas ? Nous nous retrouverons lundi pour le prêt-à-porter. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, bon week-end.